Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars et les filles, sur Spider-Man Marvel. Donc désolé les gars si hier j'ai pas eu le temps de faire une petite vidéo, c'est parce que vous savez, je viens de rentrer au collège, en mois de septembre comme tout le monde. Et donc j'ai beaucoup de devoirs au début, donc c'est pour ça que je suis vraiment désolée pour hier que je n'ai pas eu le temps. Parce que j'ai quand même fini mes devoirs à 19h30. Parce que j'en avais plein. Donc je suis vraiment désolée. Mais pour aujourd'hui, je vous propose un Spider-Man. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis si j'ai le temps, je ferai sûrement une autre vidéo dans la soirée. Let's go. Car les abos, on est dans le petit chargement avec Spider-Man qui est en train de tisser ses toiles dans la ville. Let's go. Voilà. Message vocal de Yuri. Hey, voilà, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de fisc. Ah. Vous pouvez jeter un œil okay. Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Okay, les biens de fisc. Génial. Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Épisode il y a quelques jours, un message, enfin que Yuri elle m'appelle. Et donc, j'étais pas encore sorti de fisc. Et là, elle nous l'a dit, donc on va y aller. À la salle d'enchères. Mais attendez, on va arrêter ce putain d'agresseur de merde. Mister, je ne t'ai pas vu quitter la fête. Tiens-toi. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé, tante May. Ne t'excuse pas. Écoute pas. J'espère qu'elle va pas entendre mes hommes et les emmerder. Tiens. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Mais oui. Arrête. Non mais ouais, c'est pas ça. Tu m'as donné du fric. Tellement de fois. Tu fais tout. Je sais pas comment ouais, je fais sans toi. T'inquiète pas, tante May, d'ailleurs, c'est un film, hein, que j'écoute. Je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. Ok. À plus tard, mon chéri. Il dira bisous de ma part. Moi aussi. Bisous, tante May. Ah, putain, les abos. Aucun insulte, tante May. Sinon, je le bloque temporairement de la chaîne. D'accord. Non, c'est pas bon. Bah, ouais, elle est trop sympa, tante May. Putain. Ils insultent, ils ont pas de cœur, frère. C'est bien ce qu'elle fait pour nous, elle nous donne du fric. Même moi, j'ai honte qu'elle me donne du fric, même si c'est dans un jeu vidéo. Parce que sa tante te donne du fric parce que tu peux pas payer son loyer, déjà que je l'ai perdu. J'ai aucun réseau. Voilà. Ah. Je dois trouver d'autres tours à activer. Hop. Je sais pas, on aura activera bientôt. Let's go! Allez, on va arriver. Mal point. Et puis ces gars, ils sont encore avec Fisk là. Sa grosse tête de moyen là. Hop là! Let's go! Hop là! Je m'en lasserai jamais de ce jeu. Hop! Let's go! Désolé pour ceux qui aiment un peu moins cette série, mais j'espère quand même qu'elle vous fait plaisir. Mieux vaut passer par derrière. Wouhou! Let's go. Ok, c'est bon, on est arrivé. Oh, wouhou! Alors, les gars, qu'est-ce qui se passe? Petit chargement qui fait plaisir. Comme d'habitude, on adore ces écrans noirs avec la petite araignée et, je sais pas, les petits ronds autour. On adore ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est dans... Je sais plus le nom, mais c'est pas grave. Je commence à perdre patience. What? Où est le dossier? Le dossier. Il y a une personne. Elle a dû le prendre. Pourquoi j'arrive pas à faire en même temps que... Ces masques. Qui sont ces types? Je ne sais point. Il n'y a personne d'autre que nous ici. Oh, tu touches pas une map, enfoiré. Ou vous mourrez. Ça craint. Ouais, si il me repère, il la tuera. Je dois agir en silence. Ouais. Yuri. Faudrait pas qu'elle me... L'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Des enculés. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. Ok. D'accord. Je vais faire ce que je peux. Let's go. On reste discret. Ouais, mieux vaut ne pas alerter les autres. Vas-y, viens ici, enfoiré. Hop. Hop, hop, hop. Côte la tête. Enfin, cognier. Ils ont l'air si mignons en étouffle comme ça. Hop. Let's go.
Ah voilà, je me rappelle du nom. Les bouches d'aération. Je devrais le piéger d'en haut. Alors, toi, hop, coucou. Fais pas de bruit, hein, surtout. Hop. Bon, doucement. Ok. Oh. Hop! Deux! Allez, sois sage maintenant. Hop! Quelqu'un approche. Hop! Voilà. La science a des limites. Quelqu'un d'autre est là! Je le jure! C'est sûrement elle qui a le dossier! Wow! Dites-moi! Elle a tiré dessus? Est-elle? Non, il est pas mort. What? Yen Jing Zendadian. Yo, Kyla! Je vais prendre ça. Comment on peut faire? Ah ouais, danger. Ok. On pourra attirer les ennemis. Ok. Aviser un objet. Hop là. Ça dégage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'es mort toi. Vas-y. Et deux. Et toi par contre, t'es vraiment mort. Hop là, ça dégage. C'est quoi ça? Ah bah ça me demande même pas, je sais pas. Oh, c'est l'appareil d'MJ. Ça appartient à... Bouge pas. Ah. Mon pote, si j'avais eu $1 à chaque fois qu'on m'a dit ça... Je vous y serais fait... Alors, whoop. Ah, coucou MJ. Qu'est-ce que tu fais là? Eh, Peter. À côté de des malades. Qui veulent tuer une femme parce que... Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Un peu d'orange, heureusement. Moi, c'est mon travail. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Ah, rien. Donc, Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? Ah. En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Ah. Et au début, c'était pas un cambriolage. Ah, d'accord. Quoi? Je t'explique. Ok, bah vas-y. Alors, il va m'expliquer. MJ, 15 minutes plus tôt. Ok. Alors, let's go. Les abos. Ok. Oh, cool. T'imagines, on contrôle MJ? Je pense, hein, parce que ça va pas être qu'une cinématique. Je peux vous aider? Bonjour, Mary-Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de Fisk. Bonjour. Ouais. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Ah. Eh bien, je suis désolée. Mais vous allez devoir revenir demain. Très bien. Pardon. Je comprends. Excusez-moi. Au revoir. Hé, hey, Craig. Grande idée. Non, désolé, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Même si j'ai rien. Je sais pas trop. Bon. Un truc sur la toile expressionniste. Hmm. Attendez. Ah bah là, on vient. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Ah bah là, on veut bien. Laisse tomber. Désolé, des fois, si les abos vous voulez pas, mais très bien, vous voyez, je dois me déshydrater un peu, donc je bois un petit peu. Ça peut se comprendre. Ok, let's go. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. Ok. D'accord. Alors, voyons voir ce que c'est que ça. Oh, putain. Ah oui, quand même. Fisk a ouvert Peter en deux avec ça la première fois qu'ils se sont battus. Ah. Ah oui, il quand même. Il est venu s'écrouler dans mon jardin. Simkari. C'était on n'en a pas parlé aux infos. Je sais pas. C'est quoi ça? C'est quoi ce tableau? What? Cette image est incroyable. On dirait un frère un peu gentil, mais quand même, il a l'air pas gentil. Un frère pas du tout gentil. Comme un démon, je sais pas. C'est bon, je suis là. Dites-moi quand vous voudrez commencer. Bah, ça marche? Je vais commencer, hein. Voilà. Tout d'abord, la pièce maîtresse. Un Baku Kakiemon unique. Hop. Oh, magnifique. Bagage. C'est un Mifune? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Oh. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Ok. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait nimpe, la meuf. Arrête de me regarder, frère, c'est toi qui me fais visiter. Qu'est-ce qu'elle fait? Quoi? Attends, faut faire quoi? Bonjour! Ah bah enfin, elle était chelou. C'est bon, je suis là.
Tu peux me Ici, parler? Cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nioh sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. Ah c'est ouais, tout Fisk. À fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes? Regardez, lui, il a des pieds normaux et lui, non. Lui, ça doit être le frère hyper méchant, tueur. Bien sûr que non. Je sais pas quoi. Je n'ai rien remarqué. Ouais, putain, ça se voit trop qu'elle a remarqué, frère. Non, bien sûr que non. Mais personne fait ça. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à terre rituel. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? Mettez-vous là. Ouais, ok. C'est genre, va. Allez, vas-y, mets-toi. C'est bon? Cheese? Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... Ah! C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Ok. Oh. Quoi ça? Waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une... C'est bon. Craig, je te rappelle. Mademoiselle? Oui? Je crois qu'il est temps pour vous de partir. Ah. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien. Suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet. Et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Putain. Je me dépêche. Elle est tellement appréciable, cette meuf. Mais c'est la dernière fois que vous le voyez. Putain. Elle est sérieuse, là. Tiens, salut, Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Ah. Non, elle est ici. Non, c'est pas vrai. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois... Je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Une minute, c'était... Tu m'as pas vu. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Bah, non, rien. En fait, je m'en fiche. Sortez maintenant! Bon! Sortez maintenant! Bon, bah voilà! Elle m'a cramé. Comme je te disais, eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Oh, elle a pas l'air contente. Vite. C'est très clairement une menace. Oh putain. Peter m'a parlé de ça. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment? Me demande même pas. C'est le Nioh derrière eux. Sauf qu'il est différent. Il y a une statue là-bas. J'avoue. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, voyons voir. Il tient quelque chose. Ok. La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche en bas. Paume droite en avant. Ok, on va essayer. Let's go. Alors. Peut-être que ces trucs bougent. C'est quoi déjà? Le catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Ok, c'est bon. Bras gauche en bas. Bien. Parfait. Presque. Mais j'ai déjà vu ça. Est-ce que c'est ça? Parce qu'on peut utiliser plusieurs objets. Voilà. Yes. Norman Osborn. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Le souffle du diable. Ah, c'est ça peut-être, c'est le document qu'il cherche et qui... Je crois que c'est eux, les abos.
Et bah voilà, 15 minutes plus tôt, ils veulent ce putain de document. Voilà, et c'est pour ça que la télé disait mais ces lettres. Excusez-moi, monsieur, non, vous ne pouvez pas. Oh la botte. J'aime pas ça. On frappe pas les femmes, ok? Où est la statue? Ah bah voilà, ils cherchent la statue et le dossier. Putain, nous faut qu'on se casse. Ouais voilà, le dossier. C'est des, je sais pas, un japonais ou je sais pas quoi là. C'est des... Ils sont chelous, eux. Vas-y, on se casse. Et voilà comment on s'est retrouvés. Voilà. C'était... J'allais rejoindre la sortie, quand je t'ai vu. Oh. Tu as de la chance d'être en vie. J'avoue. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, ouais, mais je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Ah, bon bah... Ok, retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. Bon. Et fais gaffe, hein, cache-toi, j'ai pas envie c'est bon de te revoir. S'attraper. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Ah. Bon bah... Bisous. Bon bah, let's go. Elle a changé de parfum. Oui, d'accord. Ok. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. Bon, les sabots. Hop. C'est bon, Peter. Je suis caché vers l'avant. Okay. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il contient que ces types veulent à ce point? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. C'est des démons, en fait. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Il la compare à une boîte de Pandore. Il en faut pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici le dossier, toi. Attends-moi. Je dois rester discret. Ok, alors... C'est avec danger, sans danger. Faut attendre que ça soit marqué sans danger. Danger, danger. Ne te relâche pas, Peter. Okay, sans danger, vite. Hop, hop, hop. Hop, hop, et hop. Tiens, forêt. Et voilà. Et toi, ça va être pareil, mon petit. Attends. Ok. Hop. Tu vas être collé à côté de mon pote. Vous allez pouvoir causer un petit peu, mais... Bon, la salle est sûre. Hop. Qu'est-ce que je pourrais faire comme truc? Je vous dis que c'est la journaliste. La journaliste. Hop, hop, hop. Je te tais. Danger. Allez. Hop. 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 Hop là. Toi, ça va être pareil. Tranquillement. Hop. C'était le dernier. Voilà. Lâche-moi. MJ. Oh putain, on a dit en même temps. Oh putain, sale bâtard. T'as tapé. Enfin, que je voulais être ma copine ou quoi? Non. Très bien, j'allais me le payer! Cache-toi! Ok. C'est toi qui as frappé! C'est pas bien de prendre des otages, les gars! Purée! Tu frappes pas une fille! Wow! T'as pas été éduqué, mon pote! Wesh! C'est quoi qu'ils ont? C'est quoi qu'ils ont en main? Oui! Ils sont complètement tarés! J'ai affronté des spectres! Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes! Sur les mains. Tous les fantômes c'est sont des spectres! Mais tous les spectres sont pas des fantômes! Vous le saviez? Hop là! Tiens, voilà! Ouais! On dirait que c'est une histoire d'énergie plutôt que de fantômes! Top! Ouais! C'est un malade! Oui, oui, oui.
C'est un malade avec sa hache. Tiens, va. Heureusement que j'avais la concentration à fond. Ok. Hop. Hop là. Tiens, va. Hop, hop. Tiens, tu vas être collé contre le mur. Hop. Vous avez entendu un micro. Bon, pardon, j'ai mis ça fait mal. C'est parce que Mathilde vient de rejoindre ma vocale. Mais bon, vu que c'est une partie tout seul, je l'ai muté. Donc voilà, il y aura sûrement une vidéo, une deuxième vidéo sur la femme du killer. De toute façon, vous verrez par vous-même. Hop là. Tiens, foire, Eva. Ok, Eva, c'est bon. C'était sportif. J'avoue. Putain, comme il était collé, lui. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça, frère? Ouais. Ça a l'air ancien. Ouais. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Qui? Bon les gars, vous aurez pas une vidéo avec Mathis parce que je devais quitter, désolé. Vous n'êtes pas la journaliste avec Simon. Vous n'êtes même bon, pas une de ses employés. Non, il y a plus de pause. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de alors se passer. Alors que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués en fait, ont volé? Ça, je ne sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchi dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Eh bien. Allez hop. J'ai fait un peu d'article. Hey, ça va? Ouais, c'est pas très, t'as pas mal. Oui, mais ils se sont fait avec le dossier. Dîner chez Mick pour faire part de... Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. T'as sûr qu'est-ce qu'elle va répondre? Ok. Ok, à tout à l'heure. Ah, ça c'est bien. On se rapproche des MJ. Mais pas trop. Quand même, les abos. Non, je déconne. Bon, petit chargement. Qui fait plaisir. Je tape sur mon bureau. Pour m'enjailler tout seul. Bon, on va arrêter, on va se calmer et on va se concentrer. Cette fois. Depuis Let's quand Nick est devenu italien? Aucune idée. Mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes. Les meilleures de la ville. Mmh, arrêtez. Alors, comment ça se passe au Bugle? Eh ben... En fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Ah. Merde encore. Je ne me t'en pose. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Ouais. Sinon, putain, tous ces affreux masqués. T'en penses quoi? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis? Des démons. Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Ouais, t'as les dents blanches. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement cette promotion? T'imagines le gars qui dit ça? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais... Non, bon, j'arrête les blagues de merde. Parce que là, c'est plus possible. C'est exactement ce que je veux faire. C'est ce que je dois faire. Ouais. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Ah. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Ouais. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Pour manger. C'est tout. Eh bien, pour... Pas toi, t'imagines. Un simple dîner, entre amis. Des amis. Et ouais. C'est ce qu'on est, pour toi. Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On peut être plus. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme, des... comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Bon. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? Ah bah voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'est une question piège, pas vrai? Ah bah d'accord, on se rabat. What? Ça avait parlé sirène. Bon. On se parle plus tard. Phil. Bisous. Finis bien les frites. Ça m'a coûté quand même 10 euros. Non, bon, peut-être pas quand même. Mais elle ne finit pas. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Ah, je vous coucou. Ai toujours bien aimé tous les deux. Ça fait plaisir. Allez, bisous. À la prochaine. Elles étaient très bonnes ces frites. Bon, let's go. Le devoir m'attend. Ah d'accord. J'allais être chaud et là, le chargement. Let's go. On touche avec les yeux. Oui. Alors, le niveau... Hey, c'est moi. Niveau je viens de voir des unités sur la troisième. Sur mon autre partie, je suis niveau quand même 25.
J'en suis à 48% du jeu. Tu viens pas d'être libéré sur parole? Alors toi, j'en suis 48% même pas. Pas de soucis, Herman est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Après un tête-à-tête avec mon ex que j'ai sauvé de criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des races à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale de Peter Parker. Me promène dans la ville au calme. Hello tout le monde! Comment ça va? Moi ça va! Wouhou! Concentration pleine. Ok, je vais pouvoir niquer des. Bon, vous avez compris. Let's go! Peter, je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser. Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami appréciait que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Oh, le gars, c'est même pas mon ami. Son auditoire de moutons. Je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont. Ça belle comment l'ami des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Bisous. Alors, let's go, 700 mètres. Un bon petit voyage. Tout le monde est en train de dormir à cette heure. Même pas si on peut voir l'heure dans le jeu, je ne pense pas. On nous a signalé une bande de stupéfiants. Rendez-vous à Dutchtown. C'est bon, je suis là. Coucou les gars. Que serait New York sans ces trafiquants? Je suis vraiment fan de l'industrie pharmaceutique. Surtout dans les titres. Ah ouais, putain, toute la drogue. Ça, c'est pas bien, ok? Ce n'est pas bien. Voilà. Tu as été un peu électrocuté, ça va te faire pas de mal, ça va te changer les idées. Tu fais quoi? Wesh! Je vais les perdre! Oh l'enculé! Oh l'enculé! C'est un malade! Hé! La drogue! La drogue, c'est pas bon pour la santé! Je trouve tes amortisseurs un peu raides! Hop! Ok, t'as pas compris que la putain de drogue, c'est pas bon pour la santé! Ok. Hey, ça, ah, c'est coco. Pas sympa. J'avoue. Tiens. Hop. Et hop. Le co-conducteur. Ah, encore. Alors, le conducteur, tu te dégages. Bon, moi, il va falloir que j'arrête la voiture. Bon, coco. Ah. Wow. Ah. On flic de récupérer ou je sais pas qui c'est la drogue. C'est toujours un plaisir de faire capot. Je vais pas m'en sniffer. Hein. Je suis pas comme ça. T'imagines, Spider-Man. Le drogué. Putain. Bon, let's go. On va pas pouvoir aller à mon point de contrôle là. C'est bon, là j'ai arrêté un gars de drogue. Non, je peux. Let's go. Je suis là. Alors, qu'est-ce qui se passe, wesh? Wow. Ah d'accord. Salut, c'est pour ça qu'il y a autant. Ah, Herman. Ça va? Ah. Oh, Herman! C'est pas sympa, ça aussi! J'ai déjà entendu ça quelque part! Je veux pas te faire de mal! C'est très une perte de temps! Oh! C'est gentil de ta part! J'avoue, en fait, il est gentil, Herman! Merci, Herman! C'est pas qu'on doit que je t'arrêter, mais. T'es juste un peu en train de défoncer la ville! Rien, en fait! C'est juste histoire de faire la conversation! Ouais. Dommage! Allez, Herman! Pas plus épanouissant si on partageait nos sentiments! Ouais. Oh, pardon, j'oubliais. Hop. Voilà. T'arrêtes, s'il te plaît. Okay. What? Why? Herman. Ah, j'ai cru qu'on allait plus courser, j'allais dire franchement, que ça. Herman, fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel. Faut vraiment être désespéré. C'est gentil. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par toi. En plus, ton costume, tu dois travailler avec quand quelqu'un. C'est pas que Spider-Man est moche, hein, au contraire. Tu peux me dire tout de suite qui c'est. Mais forcé à te taper dessus. Quand même, il est aussi stylé. Donc allez, s'il te plaît. Tu veux, j'essaierai ton costume. Tu pourras sortir 30 minutes par jour. C'est déjà pas mal. Wouah. Wesh. C'est quoi qui m'a envoyé une explosion, là? Hé, hey, Herman. Tu viens, oui. Ah non mais ça c'est vraiment pas sympa hein. Ce que Herman fait là.
Là, Herman, je te portais pas comme ça. Hop! Tu arrêtes, s'il te plaît! D'accord? Tu te calmes! Calme? Toi! Oui! Te calme, Herman! D'accord? Herman, t'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Voilà. Tu veux bien qu'on parle design? Bon. Ouais, plus tard. Bon, les abos, j'ai réussi à l'arrêter. Mais j'avoue, on pourrait parler de design, lui et moi. Il pourrait me créer un petit costume Spider-Man en couleur. Hein. Beau travail, Spider-Man. C'est vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Wow! C'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. J'avoue. Ça fait plaisir. Combat de choc terminé. Niveau 7, j'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Ah, c'est MJ. Allô, MJ. Salut, MJ. Tu dors pas? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Le jour se lève. Putain. Monsieur Lynn va plus tarder. Elle vient de me raccrocher. J'ai un petit problème, moi. Oh, bordel de merde. Elle vient de me raccrocher au nez quand je dis merci pour le dîner. Elle s'est dit dans sa tête, mon balcon, moi, je vais dormir. Allez, ciao. D'accord. Mais putain, mais il me donne faim, là. Putain, j'en ai marre. Ça me donne envie. Tu veux pas me le donner à travers mon écran, là? Je veux bien un peu de ton truc. Voilà. Je me suis bien coiffé. Petite chemise bleue, petit jean, ça fait Monsieur plaisir. Lee doit être à son bureau à 7h. Ouais, on va y aller. Merde, c'est là-bas. Let's go, ready. Alors, on va monter par les petits escaliers. Bonjour tout le monde. C'est à moi, Spider-Man. J'ai rafistolé mes chaussures, ils tiendront. D'accord, je croyais qu'ils allaient dire. Je ne me suis jamais senti en sécurité à notre refuge. D'accord, on me dit même pas bonjour. Alors, on est comme ça. Alors, let's go. Hop, on va entrer. Hello. Que puis-je faire pour toi? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Bah voilà, c'est montre-moi parfait ça. Alors. Alors hop, voilà. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé? Je sais pas vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. Oh, j'en bah ai voilà. pas vu depuis des années. C'est quoi? C'est... Oh, c'est ce quoi, symbole juste ici peut se traduire par démon. Voilà, j'avais raison, c'est des démons. Wesh. C'est des Mon père démons. Me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. Ah, mais c'est j'en quoi ça? Peur bleue. Pour aller dormir? Il est malade. Enfin, c'est rien contre ton père, mais... Peter, écoute-moi. C'est un peu... T'arrêtes. Ce masque. Hmm? Il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Ah. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi? Vous pensez qu'elle est en danger? Je sais pas. Oh, faut pas qu'elle soit en danger, hein. Je veux pas, en plus, on commence mais à bien pourquoi tenter le diable? J'avoue. Je vais lui dire que c'est un peu trop dangereux, son projet. Bon. Alors. Hey. Hey. Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein? Accrocheurs? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Ok. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Ouais. Ah, il fait jour. Déjà, on est passé de nuit à jour. Bon, bah, let's go. Ready. Petit chargement. Qui fait plaisir. Bonjour, Spider-Man. Tu es vraiment très beau gosse. Let's go. Utilisez le combat aérien pour éviter d'être submergé par les groupes d'ennemis. Ok. Let's go. Hop. Bon. Le masque.
Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va en vie se dégourdir les pattes. Ouais. Bon, let's go. Explorer la ville. Je vais s'en dire, mais déjà on va aller mettre ça pour que Spider-Man ait un peu de réseau. Let's go. Hop. Alors, go. Hop. Voilà. Alors, au score. Voilà. Parfait. Tour de quartier activé. Voilà, comme ça je vais un peu plus me repérer. On va passer cette cinématique. Attends, il y a un sac. Juste là. Oh non, le sac. Il est où? Oh, il est là. Oh, oh, oh. Mon sac. Qu'est-ce que c'est que ça, ouais? C'est marrant, mon vertige a pas disparu quand j'ai acquis mes pouvoirs. Pour ça, j'ai dû attendre de monter au sommet de l'Empire State Building. Ouais, putain. Quand même, je suis monté à ça. Ah, salut. Peter, Atmer. Monsieur Lee m'a parlé et il avait l'air soucieux. Ah bon? Tu ne fais rien de dangereux, dis-moi. Non. Bon, c'est juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau. Sans trop forcer. J'espère que j'ai pas froissé Monsieur Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien et il admire ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Oh. Deux orphelins, deux brillants esprits. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron pour toi. Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Ça, mais il veut pas crever là! Ouais, yeah, tu crois vraiment toi? Hop là! Allô? Salut Otto! Peter, c'est le docteur Octavius. Oh, bonjour, tout va bien? Hello. Le première classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. J'arrive. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Ces retards deviennent une habitude. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps? Ok, go. Hop. Oh, let's go, c'est parti. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On arrive, on va essayer de plus être en retard la prochaine fois comme il m'a dit. Je mets ma petite tenue de labo, voilà. C'est parfait. Let's go, on y va. Alors, on va passer la petite carte. Hop. Voilà. Ballon self. Non, je déconne. What? Ça marche comment? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire. Et... Prends un verre. Vas-y. Dis-moi que ça va marcher. Oui. Yes. What? Hey, mais bonjour. Où vous allez comme ça? Ce site vient d'être classé dangereux. Quoi? What? Il non, faut quoi? Arrêtez ça immédiatement. Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit. J'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Ça. Un seul maire? Comment vas-tu? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborne. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît? Appelle-moi monsieur. Mais vous faites quoi? Pourquoi vous prenez le matériel? Normal. Mais moi, normal. Je veux comment je veux travailler comment? Spider-Man, enfin, les dispositions Spider-Man, relatives ça paye à la sécurité pas tout, dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et t'es ce n'est pas ton premier écart. Mais non, mais arrêtez de prendre. Tout a été justifié par moi. Bah ouais, il y a rien de dangereux. On c'est aurait bon, dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée. Mais voilà, regarde. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai? Mais c'est un connard! Merde, j'essaie seulement on lui a offert t'aider. Une belle prothèse, il essaye de faire tu genre, le maire, vous inquiétez pas, on offrira une meilleure, comme si nous on avait fait avec de la merde en prothèse. Une sécurité mieux encadrée. T'es vraiment chez un enfoiré, sale gars. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto.
Ouais. Tu n'as pas changé d'un pouce. T'es vraiment un merde de merde. Tiens, Peter. Bah ouais, j'ai un arrive peu de travail à rentrer de son à voyage de toi. En Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ouais. Ceci est une opportunité à saisir. T'es vraiment un enfoiré, mec. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Attention, doucement. Doucement. Putain. Ils nous ont pas tout pris. Nous, ah bon, nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Ah ben voilà, j'ai plus de fric. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Mais non! J'ai pas envie de faire un autre travail, là. Non, les abos, putain. Oh non, là, je suis dégoûtée. Là, je suis triste. Vas-y, j'ai pas envie de changer de travail. Il est trop bien, ce travail. Être Spider-Man, aider dans les labos et tout. J'ai pas envie de changer de travail, wesh. C'est un bâtard, le maire. Désolé de le dire, mais c'est vrai. Putain. Oh non, on est au chômage. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry, peut-être. Lui dire de parler à son père. Je ne l'écoute jamais. Je sais que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche. Hey, il y a ses stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Vas-y, go. Il faut que je file un coup de main, Doc. Voilà. Hop. Alors... C'est quoi ça? Les abos, vous pouvez me dire Harry m'a laissé un message à leur sujet avant de partir pour l'Europe. What? C'est quoi ce bordel? J'ai un service à te demander. Oh, ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur. Des stations de recherche au service de la population. Je l'ai lancé, mais maintenant que je suis absent, Oscorp risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un œil? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci, mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. Ah. Bon, c'est pas ça qui va payer mes factures. Et on dirait que ça lui tenait à cœur. Bon, ouais. Je vais faire ce que je peux. Attends, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Deux de mes stations contrôlent la pollution de l'air. Le but, c'est d'identifier les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Ah. Entre nous, je soupçonne Oscorp de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Et il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Oh, ouais, chaud, putain. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. Et qu'on remonte de... On fait comment ? Qu'il y a de mort, hein. Mais ça c'est faire comment en fait? Attends. Comment on pourrait faire? Parce que là, je ne comprends pas trop. Putain. Le pauvre Spider-Man, il va choper un cancer avec tout ça. Faut pas qu'il crève, hein, notre Spider-Man. Hop, on récupère toute la fumée. Bon, hop, on prend toute la petite fumée. Wow, pour voilà. Ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxine doit être sacrément élevé. Putain, j'avoue. Et voilà. On en récupère partout. On est en train de dépolluer la ville. Très bien ce que je récupère. Enfin, hop. Les échantillons, pas les toxines. Putain, regarde tous les nuages là, polluants. Ça me dégoûte. Hop. Hop là. C'est bon. Oh putain, moi je vous dis, il va attraper un cancer le pauvre.
Oh, Greg, j'ai sniffé un pot d'échappement. Ça va aller? Faut pas que tu crèves, hein, pour la ville. Ils doivent tous paniquer à me voir comme ça. Rien de très inhabituel. N'inquiétez pas. C'est juste, j'enlève la putain de pollution. Bon. C'est bon. Les toxines proviennent de deux types de voitures et d'une cheminée défectueuse. Prenons tout ça en photo. Ok. Ok, on va prendre tout ça en photo, let's go. Non, pas tout de suite. Voilà, on arrive. Je sais pas ce qu'on va prendre en photo, parce que là, je prends celui qui est le plus près. Ah bah voilà, c'est une voiture. J'ai pas compris. Okay. Fais chier là. Tu vas te mettre. C'est un enculé. Voilà. Wesh. Un enfant, ce gars. Tu me fausses plus jamais dedans, ok? Alors, foiré, va. De pollueur de merde. Encore une voiture. Trop chaud avec les véhicules. Hein. Putain, mais il faut chier de tourner ou je tourne pas. Parfait. Hop là. Ouais. Ok, let's go. Parfait. On va aller prendre une cheminée en photo. Putain, dans la vraie vie en plus, c'est vrai, hein, ça doit être pareil à New York. Regarde, regarde, il y a combien de cheminées, frère. Regarde juste, il y a combien de cheminées. S'il te plaît, wesh. C'est nimble. Frère, il est tout pollué en avant, mon frère. Oh, frère. Frère, tu t'étouffes. Non, peut-être pas, mais... Ça va loin, la pollution, là-bas. Hop là. On va prendre ça en photo. C'est la meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Le service de la protection de l'environnement s'occupera du reste. Voilà. On pourrait peut-être me faire un costume vert pour le cours de la Terre. J'avoue, ça serait plutôt beau gars. Cette station a permis d'éviter une vraie crise sanitaire. Le score pourra pas dire que les stations d'Arin servent à rien. Ouais. What? J'avance quasiment à l'aveuglette. Il faut que j'active d'autres tours. Ok. Eh ben, on va aller en activer. What? Spider-Man, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une bombe sur East et la 31ème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mauvaise onde? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Mais ça? Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risque. La poisse! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de transe. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur. Bon, je vais voir ce que je peux tirer de Shocker quand je serai à la banque. Ouais. Merci pour l'info. Bon bah voilà les gars, ça va être la fin de la vidéo. On va aller arrêter Shocker dans le prochain épisode. Donc si cet épisode vous a plu, vous n'oubliez pas comme d'habitude le petit like. Comme ça, c'est parfait, la vidéo se finit avec ce beau coucher de soleil. Bon, au moins, on aura un petit peu dépollué. Donc, les abos, pensez à dépolluer vos villes comme Spider-Man. Non, je déconne. Bon, bah voilà, les gars. C'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Soit tout à l'heure, soit demain. Moi, je vous dis au revoir. Et à la prochaine. Au revoir, Tour Avenger aussi. Bisous. Let's go!